Ok, bon, on part à gauche le long du mur. On remonte en haut du coup. Ouais. Bon, par contre, ouais, c'est là, c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite thermique. On va avoir un petit temps d'adaptation. Ouais. Ouais, dans 5 minutes, il fait toujours. Hein. On sera mort avant. Faut juste faire gaffe qu'on ne rush pas là. En face. Et puis, on va pas avoir de surprise. Hein. Quelqu'un a un scope? Ouais, oui. Moi j'ai un x6. Ouais. Ok, moi j'ai une x4. On va pas se faire surprendre. Hein. Le sac scaf, c'est Golgi? Oui. Le brassard bleu, toujours. Moi je suis derrière toi, Kev. Yes, yes, je comprends. Ok, je vous vois tous. On fait un détour là, une sorte de grosse virgule, on va à l'hôtel. Prendre notre temps, ça sert à rien de rusher. Et après on ira au Overstation. Ouais. Ça me va. Faire attention aussi un peu derrière, parce que des fois il y a des mecs qui rushent. Ouais, je guette un petit peu, ça arrive. 50 mètres. Je vais me déporter à droite, continuer le long du mur, je vais juste regarder s'il y a des mecs au camion. Faudra qu'on l'a dépassé. Ah, t'as mis le canon en plus. Ouais. Je vous rattrape. Ouais, elle a l'air pas mal, hein. Je suis passé en dessous des 100 en recul vertical. Ah, moi je l'adore ici. C'est manche. Je suis à votre droite. Yes, vu. C'est pas par là qu'il y a les caisses avec les caves là? C'est ça, c'est ça. Mais j'ai vu personne aux caisses. Faire les caisses. Vas-y Golgi, fais-toi plaisir. Yes. Du coup t'as ton AKM Dig? Yes. Ok. Oh putain des balles. Je suis riche. Moi le boom. Ouais, il y avait rien dans la deuxième. On est parti. Ok, allez. Ah, c'est là qu'on s'était tapé un speed hacker une fois. Oui. Le mec il court à toute vitesse. Je crois qu'on va pas avoir que ça du coup. Parce que je pense que les mecs ont des hacks, ils ont la totale. Ouais, s'il a un speed hack, il a le wall qui va avec. Hein. Ouais, sinon. Non, c'est pas drôle. Ah, si tu veux, Ding, on peut aller faire le scav sur le rocher. Le fameux scav sur le rocher, ouais. Je l'aime bien celui-là. Attends, on va retourner sur la crête à gauche. Sur la petite colline. Il y sera pas de toute façon le scav. Bah non. Logiquement. Hein. Ah, je suis un micro freeze. Ouais, pour l'instant, j'en ai pas eu. Pas à part au tout début là. Oh putain, il est pas là, je crois. Sérieux. Ah si, attends, il y a un mec au sol. Si, il y a un mec là. Un mec au sol. Il est en train de. Il y a un mec debout. Il y a un mec au pont, c'est un scav. Ouais, c'est ce que je dis, il est au sol.
Ah, c'est ce que t'as... Ah, d'accord, je crois que tu disais qu'il était à plat ventre. Ah, il est au pied du rocher en fait. Il va être bientôt à droite du rocher. Ouais, ouais, il est juste derrière le premier sapin. Ouais, ouais, puis forcément, c'est le moment où t'arrives où il se cache quoi. Attention, passez pas devant Andy parce qu'il est. Il est armé et dangereux. Je vois plus hein. Mais il est à droite du rocher au pied. À droite du rocher au pied. Enfin, la dernière fois que je l'ai vu, c'est là. Là où il y a le chat ? Plus à droite, à droite du rocher. À droite du rocher. D'accord. Je regarde vers l'hôtel. Ouais, moi je surveille les mecs qui seraient devant nous. Moi je vais surveiller à l'arrière. Contact. Ah oui, je sais. Ouais. Au-dessus là. Attends, j'ai rien côté de toi. Ou quoi direction là-bas, là où je vise. Ouais, mais ça serait bien. Ça serait bien le scav. Avec un casque. J'ai pas vu s'il y avait un casque. Parce qu'il avait un pompe. Il partait où? À gauche ou à droite? Il partait vers la gauche. Moi je l'ai repartir. C'est sûrement le scav. C'est sûrement le scav. Si c'est un scav avec un fusil à pompe, c'est. Et il avait un casque, ouais. Ah, ça, je sais pas plus, je pourrais pas vous dire. Je l'ai pas vu. Putain, il se planque derrière les sapins. Attends, je vais surveiller derrière. Hein. Ah, attends, ah, derrière nous, contact, t'as un scav. Ah, le scav qu'on. Ok. J'espère avoir. Bon, il est derrière, mais t'as le temps, Ding, hein, si tu veux. Le problème, c'est que l'autre, il est caché derrière les. Ouais, mais là, il est caché aussi en fait. Le temps que t'arrives, on le verra plus. Hein. Ah, il va peut-être revenir, hein, cela dit, mais. C'est chiant ça. Il m'a pas vu. Hein. Mais je le vois plus. Ouais, j'aurais dû prendre mon rupière. Ah, c'est sûr que là, je pose beaucoup moins de questions du coup. Putain, je le vois plus là, dans ce cas. Je sais pas où il est. Il a dû aller vers les caisses à peu près. Bon, on fait quoi, on avance du coup? Bah, il y a toujours celui qui est derrière. Celui qui est derrière, tu pourras te le faire assez facilement si tu tires le premier. Je vais surveiller celui-là. Je vais vers toi, hein. Je passe par en bas. Ouais. Bien sûr, on va le chercher au pire. Tu vois où je regarde, il était à peu près dans cet axe-là. Vers les caisses. Je pensais pas plus là. Je vais essayer de. J'essaie de prendre un autre angle pour le voir. Est-ce que je peux monter ici? Non. Par le côté, tu peux pas? Non, j'ai essayé, mais. Je me disais, tiens, j'entends du bruit. C'est toi? Ouais, c'est moi. Ok, bon, on va le chercher. Hein. Ah, si, bon, je le vois. Il est en train de s'éloigner, il est froid là. Vas-y, suis-moi. Il est 50 mètres devant nous là. Ça commence à descendre. En fait. Bah, il faut que tu ailles le chercher, hein, parce que moi, sinon, je vais être obligé de descendre. Il est devant nous là. Enfin, je le vois plus, mais. Ah, si, c'est, je le vois. Je crois qu'il m'a. Ah, non, il m'a pas vu, il est flanqué. Il part à droite, ouais. Vers les rochers là. Notre A. Non. Ah, non, il n'est pas notre A. Attends. Là, ça doit être bon. Il a pris. Il a fait le bruit d'un mec qui mourait, puis il est pas mort, cet enfoiré. Ben, je sais pas où il est.
dans le buisson. Il doit être dans le fourré là. Bah. Tu vois. Bah il est tombé en arrière là. Ouais bah écoute on se cache. Ah non il est là. Putain on est deux, on arrive même pas à retrouver le cadavre. Ok je vais regarder derrière nous quand même si les tirs j'aurais dit vers le les bus. Ouais je confirme. Back Nico. Ok on arrive les gars, ouais. Je regardais juste derrière nous histoire de pas nous faire attraper. Bon j'ai chopé un VPO si ça intéresse quelqu'un. Pardon. Bon depuis peut-être que le mec s'est remontré au rocher hein. Non je surveille mais toujours pas là. Bon on va le chercher hein. Je vais le pisser ou je sais pas quoi. Il fait caca dans son casque bleu. Bon il est au sol, il est aux pompes alors bon. On devrait s'en sortir. C'est un scav aux pompes. Ouais voilà c'est, ça c'est le vrai problème. C'est vous qui arrivez vers moi là. Ouais. On va aller chercher le scav au pied du rocher et puis après on va chercher les antennes. Je pense que on devrait se le faire assez facilement ce scav. Bon il peut être n'importe où au final, hein. Il peut être au rocher, il peut être au char. J'essaye même pas, je sais que je suis pas capable. Tu vois, bon, je le vois pas, hein. Je sais pas où il est parti. Hein. Il doit être masqué par le relief. Ok, je suis au drone. Oh. Ah bah c'est bon, c'est où il est. Il est en bas. Nice. Traité. T'es mort. Non mais... Traité, hein, je l'ai tué. Hein. Ah j'ai vu. Ouais, t'as bien fait. T'as le bâtard, il est avancé vachement. Ouais. Au pompe le gars, toi. Ouais, je confirme, casque bleu. Petit bag. Je me répare, hein. Il m'a défoncé l'estomac et une jambe. Vas-y. Je vais regarder en arrière. Ouais, je vais regarder sur le côté. Putain, c'est fou ça. Ça c'est... Oh non, bah il était. Stop. C'est moi. Y'a un mec. Oh pardon. Où ça? Où? Non, c'est toi, c'est Dean qui arrive là sur le drone. Oui, c'est moi. Oh pardon. Je te croyais de l'autre côté du rocher. Et t'as vu qui? Kev, c'est pareil? Tu voyais? Ah bah c'était un son qui courait donc Ding a dit. Ah d'accord, lui, d'accord. Ok. Bon bah on peut aller vers l'hôtel. C'est parti. Ouais, j'ai fait des tirs de sommation à côté. Il voulait faire monter le stress à Dean. Putain, cette distance il m'a mis cher. Ouais mais voilà, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un scav aux pompes. C'est ça. Parce que moi je croyais de l'autre côté du rocher, je me suis dit bah non, du coup t'es plutôt prêt. Mais en fait non, t'es. Mais pour moi c'est bugué, hein, le fait qu'ils mettent autant de dégâts les scams, c'est pas normal. C'est de la rouge quoi dans son truc. Mais oui, quand tu tires avec ça, tu tueras jamais un mec et tu feras jamais mal à un mec à cette distance, c'est impossible. Bah non, ça disperse trop. Mais lui, et même les plombs, ils entre les plaques. Du coup, non, mais même, même les plombs, ils font pas. Bah il y en a qui sont restés au rocher. Je suis au rocher, ouais. Moi je suis là. Bon bah vous pouvez avancer les gars, au rocher. On va aller vers l'hôtel. Ah attends, on peut aller voir au camion aussi. Au camion il peut y avoir un scav. Je l'ai rarement vu avancer autant le scav de cette zone. Je vous ai repaumé. C'est qui derrière? Ouais c'est. Ok c'est toi Ding. T'as un casque tan hein Ding. Ouais. C'est que t'avais. On est là. Du coup, viens devant. Et le scav, enfin, s'il y en a un, il est 100 mètres devant nous. Là. Derrière la crête. Là. Ouais.
Attends, il est où exactement? Une autre crête. Non, mais c'est là, ça va derrière là. Là, là. C'est à droite là, non? Non, non, devant nous, devant nous. Ouais, ici. Ouais. Ah, il y a un contact. Il est froid. Hein. Il est à gauche du char. Il s'éloigne. Vu. Vu. Il bouge plus. Notre A. Notre A, notre A. Il y en a un autre. Ah, il y en a un autre plus à gauche. Ouais. Là, je l'avais même pas vu. C'est bon. Ok. Et de ce cave ici, ça fait longtemps aussi. Hein, on a du bol là. On a pas eu celui du rocher. Mais... Je fais la caisse du char. La PS, ok. Je dîne vers vous. Ouais, ouais, de toute façon, on va continuer. Hein. Vous pouvez nous rattraper parce qu'on va. À ta droite. Yes, hein, je t'ai vu, ouais. Yes. Et il était où l'autre en fait? Là où il y a de l'arbre. Non, mais l'autre. C'est où je crois? C'est, ça, c'est celui de droite ça? Il a un pompe encore avec. Celui de gauche en fait, celui de gauche il est où? Ah, celui de gauche il était dans la pente non? Ah, il est. Ah non, c'est... il est une tente. Je l'ai jamais vu en fait. Même quand t'as tiré dessus le deuxième, là, je l'ai jamais vu. Personne a besoin de masque bizarre avec des flammes ou de gilet bleu? Non, c'est que des blancs. Un écran noir, hop, je suis revenu là. Je suis dans une bûche, moi. Okay. Moi, je sors d'un buisson. Je vais en direction du scav mort. Un flanc de colline. Faites gaffe que l'escav est pas repop. Je suis direction le dortoir par rapport à toi, dit. Ça va, du coup, t'es plein milieu. Ouais, et là pour l'instant il me dit qu'il attend que ça démarre. Ouais, c'est pas encore véloce hein, parce que là pour fouiller un triton. Ah bah ça y est, je vais arriver. Je suis déjà à 15 secondes et. Bon, ça va, on est à un endroit assez safe. C'est bon, je suis là. Putain. Il faut. Eux aussi. Vous êtes en haut là, c'est ça, ouais. Ouais, eux ils sont plus à droite. Une Salewa, une Atel et un jus de pomme si ça intéresse quelqu'un. Un peu de soin. Hein. Une Salewa. Ouais, attends, je te la jette. Ouais, celle-là. Reste. Ok, j'entends marcher, c'est vous certainement. Ouais, c'est vous. Vous êtes sur la crête? Ouais. Ok. Je suis derrière toi, Kev. On arrive derrière toi avec Colgi. Je monte au niveau de la tente. Hein. On va continuer vers l'hôtel, hein, de toute façon. Hein. Oh, oula, ça tire. De derrière nous, de derrière. Vers le rocher sniper. Quelqu'un a été touché ou pas? Non. Ouais, moi j'ai touché toi. Ouais, ça m'étonnerait pas que ça soit un tir rip, ça. Il y a beaucoup d'arbres quand même. T'es à terre, Goli ou quoi? Non, c'est bon, j'ai pris dans le thorax, je suis soigné. Je vois personne. Hein. On va descendre vers les cottages. Ouais, je pense pas que ça serve à grand chose de faire les vaillants parce que, à mon avis, ça joue à la thermique. Bah, je sais pas. Bah, on était quand même pas hyper visible là où on était quoi. Ouais, mais c'est quand même. On a été un peu déco, reco, machin. Ouais, c'est vrai. Non, mais après, c'est shoreline, hein. Shoreline. Moi, je pense qu'il vaut mieux pas qu'on le traîne, qu'on essaie de le. On va se prendre une deuxième balle là tout à l'heure. Personne chez lui, du coup, là. C'est qui derrière, là, en bas? C'est moi. Moi, je suis à côté du rocher. Ding, okay. Ouais, on descend. Là. Allons vers les cottages. Le cottage pour l'escave. Pour moi, ça venait du rocher où on cherchait le gaz. Ouais, ouais. Ouais, c'est bon. Je confirme. J'ai très bien entendu le tir. C'était bien dans notre dos en tout cas. S'il a pu me faire monter un peu le stress, nous sommes là. C'est bon,
Ouais. Il devait pas tirer avec du gros calibre parce qu'il a pas beaucoup abîmé mon gilet. Ouais, oui, il était loin, hein. Ça se peut aussi. Puis bah, s'il était à la rip, il peut pas viser extrêmement bien. Ouais, c'était peut-être de la perfo parce que je te dis, moi j'ai pris quand même pas mal de dégâts dans le torse. On peut éventuellement avoir des scaves en bas là. Ah, je vois que le cottage a été fait. La porte est ouverte à l'arrière. Parti sur la gauche, Nico ? Légèrement. Ouais. Vers les côtés. Ok, ouais, je t'ai vu. En fait, on pourrait essayer de le prendre, le mec, mais il. Lui, c'est où on est, nous, on sait pas où il est alors. Bah, c'est pour que J'aime pas trop la situation. Il perd 2 ou 3 gars, ouais. Bah, tu sais, s'il nous contourne, je préfère reculer quand c'est ça. Si on avance assez vite, on peut aller à la crête de l'autre côté de la route là. Et puis on le verra peut-être arriver quoi. C'est moi. Kev il est en chasse. Sachant qu'après. Kev il drift. il drift pour se dire si le mec il passe une tête. Y a peut-être des scaves dans le coin hein, si jamais ils ont pas nettoyé les mecs. Mais je pense que ça a dû. Dans le chantier, enfin derrière le chantier, j'ai oula, je viens de voir un coup de passer. Bon, en fait, je suis en train de me dire, faut quand même qu'on aille à l'hôtel. Hein. Oui, ouais, donc on va reprendre. On est du bon côté après. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est la station de service. Ouais. Pas nous emmerder, mais ah, j'aime pas cet endroit, je suis mort la dernière fois. Oh, il y a un contact. Où c'est vous ça, PMC là? C'est nous ça. Ah, je suis mort. C'est nous ça. Ah, je suis mort. Oh putain! Eh oui, c'est nous! Excuse-moi, Nico. Ah, sérieux? Ah ouais. Putain, je suis juste devant Golgi, quoi! Bah oui, t'as 5 mètres devant moi! J'étais encore dans le bleu, moi! Ah putain! Ah, t'étais dans le bleu encore! Ah, je pensais pas que vous étiez parti si loin! Alors que c'est moi qui l'a fait, quoi, je suis désolé. Bah, tu vois, je suis mort la dernière fois là, quoi! Et, tu vois, c'est un signe! Bah, à 10 mètres de là! Oh putain, et bah tu revenais vers nous et du coup je bah même, comme, tu, comme, t'as, comme t'as dit qu'il y a contact, moi je revenais. T'avais mis tôt. Des trucs dans le triton? Un peu, ouais. Mais c'est du loot, hein. Vous pouvez prendre le loot qui est dedans. Non, je vais mettre ton gilet dans ton sac. Je ferai un screen, bravo. T'inquiète pas, tout est enregistré. Ah, tu as la première vidéo. Ça arrive, au-dessus, ça arrive les gars. De là où Nico il arrivait, au-dessus. Ils sont passés, ils passent les mecs. Ils sont à droite. En plus, ils ont c'est des scaves ça, c'est des scaves. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est des scaves. Enfin, scaves joueurs. Hein. Ouais. Tu les as vus? Ouais, je les ai vus, ils sont. Ils sont en train de se barrer. Là où je vis, ils sont en train de se barrer. Ah oui, vu. Ils vont vers la station thermale. Ouais. Ils ont du snipe. Vous avez les affaires à donner à Nico du coup? Non. Bah dispersez-les dans les fourrés à côté. Hein. Attends, je prends ton sac à dos. Parce que là en plus j'avais. J'étais dû me la mettre dans la bouche, hein, j'ai pas regardé. Mais... Ah j'ai visé que la tête. Hein. Oh la vache, je suis tout à zéro. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh ouais, là t'as dû me faire hyper mal. En fait t'as touché thorax. Hein? Ouais. Thorax et t'as dû taper fort parce que je suis tout à 5. Bah je suis à la M61. Oh la vache. Oh, c'est pas loin ça. Pour tout te dire j'en ai pour 5600 à me réparer. Ah désolé poulet. Ouais, c'est pas. J'ai mis ton trisip dans un buisson, ça devrait aller. Il reste 4. Il l'a mis tout nu de toute façon. Non je l'ai pas mis tout nu hein. J'avais pas la place.
Après le trisip, prenez. Pas le trisip, le triton dedans, prenez-le, hein, ça va vous faire gagner de l'espace dans le sac. C'est bon, il est tenu. Ah ouais. Prenez mes soins et tout ça. C'est à qui à côté le bercut là? C'est à moi. Ok. Je reviens là, je vais à côté du bleu pour jeter ses affaires. Une fois que c'est moi qui me fais TK. J'ai un gros sapin devant moi là, du sapin. C'est vrai, que c'est vrai que j'étais parti devant, mais. C'est pas si loin, ouais. Ah, puis ce que je voulais, c'était m'assurer qu'il n'y ait pas des mecs qui arrivent par derrière nous, tu sais, comme on a fait une espèce de crochet. Ah, là. Ouais, mais... Ça nous aurait permis de voir si les mecs nous avaient un peu de chase, on les aurait peut-être vus. Ouais. Ah, je sais, moi, j'ai pas du tout géré. Bon, suivez à la queue leu. On tente l'hôtel du coup, ouais. Moi, bon, je pense que c'est le bon moment pour le tenter. Ouais. Il y avait combien de scouts devant vous là? Deux. Mais on les a pas engagés. Ouais, mais je pense que du coup. Y a un mec qui se fait bien plaisir à côté de nous. Là. Ouais, bah c'est eux là. Il y en a un qui avait les. Ah, droite, contact. Derrière le sapin devant moi là. Ah, mais je suis pas ok. Et où, Bolgui? Sur la droite. C'est où, sur la droite? Là, il y avait les scavs. C'est un scav, j'ai l'impression. Ouais, c'est un scav. Ah, c'est peut-être les mêmes. Il est en rouge. En haut, en bas. À mi-porte. Là où les 12 caves ont disparu, là. Je crois que je l'ai vu, ouais. D'accord. C'est eux-mêmes, c'est sûrement les mêmes mecs. Ils sont partis sur la gauche, non? Ouais. Après, là, il était tout seul. Je pense que c'était un autre. Hein. Parce que les autres avaient des casquettes. Il était dans la porte en face ou à gauche? Il est parti, il était dans là où je vise à droite. Là où dans ton axe. Il venait de droite et il est allé vers la gauche, là. Donc il contournait la pointe, là. On va monter, hein, de toute façon, on va le guider. Ah, il est là, il est là-bas, il court. Il court à 50 km heure. Il court comme un malade. Je l'ai deux fois, je sais pas si je l'ai tué. Je pense pas. Il était où? Il était en bas de la colline entre le sapin et le buisson là. Et il remontait. À la gauche un peu, ouais. Ouais. Là c'était ouais face à. Et attends, c'était ouais, plus haut à droite. Hein. Ouais, au niveau du. Ouais, je sais pas si je l'ai mis mal ou si je l'ai tué. J'ai mis deux balles sur. Le guide avec nous? Non, je suis toujours où on a tiré, à plat ventre, je regarde dans la direction où vous avez tiré. Je reste là pour couvrir. Il a dû monter à l'abribus, je pense. C'est là-haut, c'est le bâtiment qui est au-dessus là? Ouais. D'accord, il y a des bus, c'est ça, ok. Je te suis Kevin. Ah ouais. Vous êtes en train de faire un grand tour, c'est ça? Ouais. Tu viens avec nous, Dolier? Attends, je vais me tirer là. Ouais, ça tire derrière moi là. Ouais, viens avec nous. Ok. On arrive sur toi, hein. Okay. Tu te poses dans les sapins là? Oui. Faire cave sur le côté où il y a le trou dans le mur là. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire là? Là où tu rentres, on tourne à gauche direct. T'as les clés?
Les clés? Les clés du toit. C'est fermé à clé, je crois, non? Non, non, y'a pas de... Ah, y'a pas de... Non. My bad. On va... Vous voulez rentrer par l'intérieur ou par l'extérieur au marchand ferraille? Et bah par là, là en face, là, non? Tu vois? Ouais, d'accord, ok. On rentre dans le bâtiment, du coup. Ouais, et après, je crois que l'escalier, il est tout de suite à gauche, non? Oui. C'est une fausse bonne idée, hein, mais la dernière fois avec Nico, on s'est retrouvé en haut en deux temps, trois mouvements. Ah, l'idée est bonne. Ah, un scav en face là, tu te le fais? Il a disparu, le bâtard. Ouais. Eh bien, on y va. Hein. On y va. Ah bah tiens, il y a un bidon d'essence là, Golgi. Yes. Juste là. Ah, moi, les joies du chauffage, ma planque. Je m'arrête pas, hein. Je vais jusqu'au toit. Vas-y, vas-y. Je check vite fait les étages. C'est qui, Barbelé? C'est pas moi. C'était pas moi non plus. Ding? Non. Vous êtes en train de monter. Vous êtes en train de monter tout en haut, on est d'accord? Ouais, ouais, tout en haut. Y'avait un mec barbelé du coup. Jour. Tu gardes les escales, Omni? Ouais, je vais rester là. Je vais poser mon truc là. Vladimir! Comment ça, Vladimir? Ah oui, y'a un scav en bas. Deux scav en bas. J'ai traité le deuxième poulet. Ils t'ont mis mal, non? Non. J'ai cru qu'ils t'avaient touché, c'est pour ça que je traite le deuxième. Non, mais t'as bien fait. T'as bien fait. Oups. C'est toi qui manges, Bolzy? Je suis très bon. Mais tu manges? Ah ouais, t'es en train de manger, hein? D'accord. Je vais te boire, parce que je suis très bon. Oui. Je commence à avoir trouble. Ah, t'avais pas dû refaire le plein. Si. Mais tu sais, je suis une petite constitution, je ne suis que niveau 10. Ouais, mais je sais pas. Petit métabolisme. T'as une arme dans le dos, non? J'ai pris. Non, mais faut que tu le doutes, mais non. Ah, un scav encore là-bas. Ah non, c'est pas un scav ça, c'est un joueur. Vas-y, encore. Ah bah tard, il s'est barré. C'était le même qui est ressorti. Ah, la KM, de toute façon, ça fait pas de dégâts. Hein. Bah. Quand même. Ah, si, c'est de la 7 pourtant. Ouais, c'est de la 7-62. Ouais. Ok, je propose qu'on se casse. Ouais. Faut pas se gaffe, hein. On avait un mec dans les dortoirs du coup, hein, si barbelé, c'était pas beau. Enfin, l'hôtel, pardon. Je descends. On descend d'une traite ou quoi? Pas forcément. Je reste à chaque fois dans l'escalier si vous voulez. Parfait.
marqué où? C'est moi, je suis au là, je suis là. Je descends. Là, il y avait un barbelé là. Perceuse à main, quelqu'un a besoin de ça? Ouais. Ouais, vas-y, prends. Tiens, vas-y. Ça prend 6. Hein. Je crois qu'il en faut une pour la planque, pour le stash, ouais. Je crois. Mais quoi, les perceuses à main là? Ouais. Ouais. Ouais, c'est chiant. C'est dur à trouver en plus. J'ai de chance de l'acheter quoi. Qu'est-ce que t'as perdu, Golgi? Rien. Je surveille l'escalier, moi. C'est pas là qu'on sort. Y a un scav qui m'a spot dans le jardin. Il y en a deux. Ouais, c'est bien là qu'on sort. Ouais. Salut. Oui, salut. Oui, oui. Salut. Traité. Ils sont un peu plus à gauche que ceux que t'as fait tout à l'heure, Dean. Golgi. Il y en avait un autre dans le bâtiment. Ouais, ça a causé. Je suis sorti, ça a causé. C'est bon, je suis extract. Yes, ouais. Eh ben, quelle aventure encore? Ah, vous êtes extract direct là? Ouais, on a été jeté comme ça, on va y retourner tous ensemble. Ah, bah attends, bah je termine ma partie là. Hop. Joie et la bonne humeur. Ah, 5 scaves. Oui. Comment on peut appeler ça?